vous deux. Alors, avant de commencer, je vais vous demander d'éteindre vos téléphones portables, pas prendre de vidéos, pas prendre de photos. Le théâtre, c'est comme les femmes, il a ses règles. Voilà. Moi, j'ai un rituel. Je commence toujours par une blague violente, suivie d'une similitude. Je vais commencer par la blague. C'est un mec, il a son travail. Il appelle sa femme de son travail, crevard et pas de millénium, tout ça. Et il lui dit, pour le bien de la blague, c'est pas sa femme, c'est sa concubine. Les enfants, concubine, ça veut dire qu'ils ne sont pas passés devant le maire. Il lui dit, on se rejoint à la maison. Mais vu qu'ils sont pas mariés, ils ont pas la même maison. Et il lui dit, alors on se rejoint où? Et je vais vous faire ma similitude maintenant. Des fois, je marche dans la rue comme ça, je me fais des similitudes. Je me dis, c'est quoi la similitude entre un feu rouge et un passage clôté? J'ai pas trouvé de réponse. Une fois, je me suis dit, c'est quoi la similitude entre une vitrine et un chien? J'ai pas trouvé la réponse. En venant au théâtre, je te jure, en sortant du métro, je me suis posé cette similitude. C'est quoi la similitude entre la citronnade et un tsunami? Plus il y a d'eau, moins il y a de jaune. Enfin, pas dans le 13e, bien sûr. Ça marche pas, cette blague. Là, je vais vous souhaiter quand même une bonne année. Voilà, je veux que 2013 soit l'année de l'amour et du partage. La santé! Ta gueule, dis pas mon sketch. Vous êtes en couple, monsieur? Vous êtes en couple? C'est votre femme? C'est que, vous savez combien de temps vous êtes ensemble? Oh, moi, là, là, 10 ans. Qu'est-ce que vous faites après l'amour? Juste comme ça, pour savoir. Moi, tu sais ce que je fais, moi? Je me barre avant que t'arrives. Moi je suis rebeu, je vous le dis, et là je vais passer à la partie où je me dévoile, et je vous jure, dévoiler pour un musulman c'est pas facile. Moi j'ai été maltraité par mon père toute mon enfance. C'est dur. Vous savez, il y a des pères, ils sortent boire. Ils rentrent chez eux complètement bourrés, et pour dessouler, ils tapent sur leurs gamins. Il y en a d'autres, ils sortent jouer à des jeux de hasard, ils rentrent chez eux complètement ruinés, et pour calmer leurs nerfs, ils tapent sur leurs gamins. Moi, mon père, il boit pas, c'est haram. Et il ne joue pas aux jeux de hasard, c'est double haram. Il était juste fan de Bruce Lee, c'est tout. Et je vous jure, 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, il se mettait la fureur de vaincre. Moi, j'étais en train de dormir, j'étais dans ma chambre, je dormais. Et pendant que j'ai regardé le film, il s'imprégnait des techniques de Bruce Lee. Oula, les beautés là, oula, la tête dans le creux de la jambe, tout ça. Oula, plus comme. Oula, les beautés là. Oula, là, les genoux dans le fond, comme ça. Oula, là. Mustapha. Il est où, Luchinaban? Et il rentrait dans ma chambre. Moi j'étais en train de dormir, j'avais passé une bonne journée, bonne note, tout ça, tu vois. Il m'a attrapé les cheveux comme ça, ma chérie. Il me dit canalisé, Nadon, canalisé. Mais Wallah, j'avais pas peur. Wallah, j'avais pas peur. Comment tu vas avoir peur d'un broussier en babouche en djela? Mais c'est pour mon bien. Non, je vous jure. C'est pour mon bien qu'il a fait ça. C'était pour que j'apprenne à me défendre.
Aujourd'hui, je sais toujours pas me défendre, mais qu'est-ce que je sais bien encaisser. Et il y a pire. Moi, j'ai jamais vu ma mère. Moi, non, c'est à cause de... une fois, je suis rentré, je te jure, après l'école, je suis rentré à la maison, je dis « Maman, t'es où ?» Et alors, du coup, Maman, je me suis dit, je vais l'appeler en arabe, on sait jamais. Imma. Elle est en train de changer les rideaux, je l'avais même pas vu. Attends. Moi, je suis le troisième enfant d'une fratrie de 11. 11, je vous jure, c'est vrai. Moi, les allocations familiales dans ma famille, on les versait en prime de match. La dernière fois, il y a une dame, elle a interpellé ma mère dans la rue, elle dit « Madame, vous avez 11 enfants ?» Ma mère, elle lui a fait « Ouais !» Genre, elle gère une start-up internationale. Elle lui a dit « Madame, je vous tire mon chapeau !» Mais elle avait rien compris, cette dame, pour arrêter le massacre, c'est sur mon père qu'il faut tirer. Moi, je suis troisième enfant d'une fratrie de grands, je vous jure, et moi, je suis toujours là à rendre des services à mes parents. La dernière fois, il y a ma mère qui m'appelle et qui me dit « Moustapha, je sais pas faire du vélo, est-ce que tu peux m'apprendre à faire du vélo ?» Je dis « Maman, il n'y a pas de problème. » Elle me dit « Moustapha, j'ai pas de vélo, est-ce que tu peux m'acheter un vélo ?» Je dis « Maman, il n'y a pas d'oseille. » Elle me dit « Ah, par contre, Moustapha, quand tu iras au marchand de vélo, il faut que tu achètes un vélo halal. » Je dis « Maman, c'est quoi un vélo halal ?» Les vélos halal, les vélos avec les deux roues voilées et tout ça. Mais hey, c'est super bien d'avoir une grande famille. Non, c'est super bien d'avoir une grande famille. Mais chez moi, pour manger, c'était Koh-Lanta. Voilà, Koh-Lanta. Mon père, il est revenu, c'est dans le salon comme ça, il était tous dans le salon pour feu de con. Mais papa, si tu mets le feu au salon, tu risques de mettre le feu à l'immeuble. Ouais, j'ai pas dit feu de con, j'ai dit feu de con. Hein? Toi, vous êtes des cons, feu de con. Hey, je veux quand même faire une vraie présentation de ma mère. Mon enfant, ça n'a pas été facile tous les jours. Pour ça, je vous demandais de faire un maximum de bruit pour ma mère, s'il vous plaît. Ma mère, pour moi, ça reste un modèle de réussite. Tu demandes à n'importe quelle petite de mon quartier qu'est-ce qu'elle veut faire quand elle sera plus grande. Elle va pas dire princesse, docteur, vétérinaire. Non. Je vais faire comme la maman à Moustapha. Ma mère, pas d'études. Pas de brevet, pas de bac, pas de permis, pas de voiture, pas de papier. Et elle touche 4900 euros par mois, monsieur dame. 4900 euros par mois. Moi, j'arrête là. Allez tous vous faire foutre. Ah oui, attends, j'ai oublié la blague. Mon père, l'intégration, c'est super important. Voilà, mon père, il nous dit, tu faut fêter toutes les fêtes pour s'intégrer. Pour Mardi Gras, ma mère, elle fait des locaux. Pour Vendredi Saint, ma cousine, elle fait les topless. Pour la Chandler, on regarde Friends. Eh, on fête même les fêtes juives. Voilà, on fête même les fêtes juives. Comme les soldes. Non, je crois que t'as... Ouais. Vas-y, ouais. Viens, frère, tranquille. Non, mais je partage ma tête. Je suis outré, c'est... Tu rentres chez toi. Je valide. Du bruit pour Moustapha, s'il vous plaît. Vous avez pas dit que vous êtes chez nous. Vous êtes chez nous, hein. On a des cheveux en cuir, tout ça, là, tout le monde. Mais non, mais du lourd. Franchement, où est-ce qu'on peut te retrouver, mon petit Moustapha? Alors, à partir du 20 février, je serai au théâtre The Artist. Je partage l'affiche avec Vincent Azé, mais... Plus simplement, allez sur mon Facebook, ZGARI, Zegari, vous verrez les infos. Et puis voilà, quoi. Je vois que vous ne notez rien. Alors, sur vos téléphones, vous allez noter, s'il vous plaît. Sortez vos pics, on va noter, s'il vous plaît. On va renoter la fête, après, je t'en prie, il faudrait vraiment qu'est-ce qui me bastonne dans la tête. Moi, j'aime bien les gâchons Zegari, Zegari. Zegari, enculé. Zegari, bande de lâches. Zegari. Zegari. Zegari.